deux fois. Alice, vous êtes haricot. Haricot, ouais. Excuse, j'ai pas. Moi, je veux pas de gin. Maggie, tu as de l'eau minérale quelque part? Oui, dans le frigo en bas. Ouais, d'accord. Il y a deux ou trois personnes. Je sais pas si tu es. Voilà. Il y a des tomates. Oui. Des travaux. Série de travaux. Alors Jean-Yves, ça, tu veux quoi? Ah, c'est quand même malin. Et tu vois, l'ennui qu'il y a, Franco, c'est que moi. Ah, José, tu du rouge? La carte, du rouge? Si, où est l'autre plat? Tu veux du gratin dauphinois? Et toi, tu regardes. Mais c'est là. Eh, c'est ici. Ah, c'est ici. Ah, bon. Excuse-moi, Jean. Christiane, tu veux pas les tomates de jardin? Et Mag, fais-en pas trop quand même. Non, non. Mam. Parce qu'elle m'a dit que généralement, elle est pas là. Il y a Michel. Du coup, toi, hein, les pommes de terre, elles sont bonnes, la salade. Il était moniteur aussi de l'office Alina. Ce qui est bien, tu peux visionner. Dès que tu as filmé, tu peux visionner. Ah, oui, ça devait être là. Mais même là déjà, à l'appareil, tu peux visionner ce que tu as fait. Ah ouais? Arrête, Franco. Franco, tu me casses les problèmes. Il y a le sang, tu encore. Il a fait la statue de l'université. Oui, mais tu peux regarder la statue de l'université. Allez, Milka. Ouais, je suis là, Milka. Juste la tête comme ça. C'est pas le bruit de machine. Avec leur... Tu l'entends pas, tu le vois pas. Oui, il y a un rassemblement.
avant le déjeuner. Tiens. Mais arrête, des films en vacances. Oui, on a fait. Oui, bon, c'est avec des bruits. C'est une expérience. Moi, je trouve que ça. Il y a mon beau-frère quand on a fait des films. Fais un café. De toute façon, j'ai des gens qui sont. Passez les tasses. Coucou, Nelly. Oui, Nelly. Pas plus que 10 secondes par pause. Touche pas, Titi. À 20, t'as des cons. En 20 ans, t'as des cons. Préparation. Mais il semblait aussi qu'il y avait des. Et maman, il y avait aussi. Maman, il y avait aussi. Petit maintenant, je m'éloigne, éloigne du tour en entier. Maintenant, je m'approche, m'approche, c'est au niveau de l'épaule. Voilà, maintenant, j'ai plus que la tête, les lunettes. Ça veut donner quoi? Compris maintenant. Oui, mais alors, tu sais, à un certain moment, il avait ton épaule, puis il avait une autre qui s'est. Que l'épaule s'est tenue. Ouais, je vois. Voilà, maintenant, tu t'approches, c'est le premier plan. Donne-moi la tête. Pousse-toi. Oui, c'est bon? Ouais. Voilà, tête. Tu t'approches, tu t'éloignes, tu fais comme tu veux. Alors, tu... C'est beau quand tu apprends de loin, puis tu t'approches, puis tu apprends. Attends. Tu sais que t'as filmé. Ça irait mieux, mais c'est difficile à partir. Jacques, on travaille maintenant à l'atelier. Ouais. Il y en a qu'on commence ici. Hop là, c'est bon. Hop là. Ah, Bertrand. Christiane. Qu'est-ce que t'as remarqué? Je joue avec toi. Ouais, ouais. Oh, pardon. T'arrêtes. Oui. Je peux jouer un peu avec toi. Attention, attention. Ah. Qu'est-ce que tu veux me dire? Je veux jouer un peu avec lui. Tu joues comme Bertrand, par contre.
Qu'est-ce que c'est ces poutres là, Franco? Bon, moi, je sais. Et ça s'est bien redéroulé? Donc, ils ont trouvé quelqu'un qui est là. C'est là. Oui, mais c'est un peu fort quand tu es un invité, il a contribution. Non, mais il a l'habitude, il le savait. Oui, il s'y attendait. D'ailleurs, il a drôlement bossé jusqu'à 8h du matin. Ah, ben ouais, c'est pour ça que ça allait. Ça, c'est pas une petite affaire, quand t'as dit. Et... Ah oui, le deuxième camion. Mais alors, dit, quand je te dis qu'il te téléphone que pour que je sois là quand vous l'amenez, tu me dis, ah ben on l'amène après-midi. Tu viens le matin. On a eu un problème là, oui. Ouais, mais j'étais emmerdé, moi, parce qu'ils l'ont mis beaucoup trop en arrière. Moi, j'ai dû tout leur tenir, complètement, tous moi, deux fois, tu comprends. Ah, mais ils l'ont pas mis à la place où vous t'avais débarrassé. Mais c'était à peine débarrassé. Non, mais j'aurais dit de le mettre assez en avant, comme ça je le bûchais, puis je le mettais. Tu comprends, mais... Il aurait fallu qu'il soit plus près de la maison. Tu vois, il était presque sur le chemin. Le premier voyage, moi j'étais avec. Parce que oui, puis ils ont mis le deuxième voyage, encore à côté. Alors, d'abord, je ne pouvais plus fermer la barrière. Alors, j'ai dû tout repousser. Puis le repousser une deuxième fois pour le porter, pour le bûcher. Alors, tu comprends, avec un coup de camion, il faisait 3 mètres de plus, puis ça y était. 3 mètres arrière. Mais oui. Mais t'avais débrassé là-haut? Hein? T'avais débrassé, non? J'avais juste arrangé pour refermer. Oh, mais il pouvait pas passer le deuxième camion. Bah non, il pouvait pas, parce qu'ils avaient mis le premier trop près, mais j'étais pas là. Ah oui, mais moi justement, c'est moi qui suis venu, alors j'ai dit pour mettre sur le gazon, j'ai débarrassé vite le coin, moi. Et puis j'avais ouvert le portail, j'avais ouvert le machin. Et puis le deuxième, t'as dit qu'on pouvait le monter, mais il aurait pas pu passer ailleurs. Bah non, il pouvait pas. Alors comment il aurait fait? Hein? Il aurait fait comment? Bah non, mais c'est, si j'avais été là pour le premier. Ah, pour le premier, oui. Tu comprends? On pouvait mettre le deuxième plus près aussi. Ah oui, c'est ça. Oui, pour le premier. Mais voilà. il fallait débarrasser le premier là pour aller faire monter le deuxième. Ah. Écoute. Non, celle-là. Ah, oui, je pense que ma maman, elle sort, c'est une femme qui est forte, pas de fille. Non, mais elle sort. Tous les après-midi, on sort. Tu sais pas comment répondre. Tu avais ta combine. Ils habitent. Ah mais de toute façon, toi, on l'a scié parce qu'on peut prendre pour faire un peu plus. On ne le scie plus parce qu'on est. Alors, on ne le fait plus, on l'enleva. Laurent, il a commencé le sens. Alors, on l'enleva. Ouais, comme si on n'a pas la machine. Non, mais d'accord, on n'a pas la machine pour. Mais les garçons, ils nous mitraillent. Je sais pas quoi. Alors, il y a quelqu'un là, je fais ça, puis tu as fait ça, peut-être pas un, on a dit bon, le montra, peut-être pas l'autre famille pour y aller. Tout d'un coup, on avait besoin, il fallait livrer quelque chose au client. Alors, le premier coup, père, il y a 25 ans. Mais il y a 25 ans. Les études, les 20 ans, enfants de France. Alors, j'ai tiré le point, puis on a pas ce qu'il voyait là. J'ai dit, pendant ça, il va plus penser à l'état. Alors, de toute façon, moi, je pense que tu bûches là, puis tu laisses. Tu vas aller mettre le temps. Il n'y en a pas un qui est. L'aîné, il a fréquenté 7 ans, il a planté sa grand-mère, qui était une père, une fille, une femme. Elle est Ça, j'ai pas compris ça avant le scientifique là dans le sens. Deuxième, il fréquente alors il se téléphone tous les